Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation, petite ville médiévale. On avait réussi à construire tout ce quartier-là, entre autres, hein, lors de l'épisode précédent. Il y a un petit objet visuel. Ah oui, on avait. Encore des problèmes de bouffe, c'est fou ça. Oh, Foxy, mais Foxy va manger, enfin t'as tout ce qu'il faut en plus. J'ai même, je crois, ajouté un marché pour le truc de luxe. Foxy, tu peux aller non, comment on dit? Acheter ce que tu veux là-bas. D'accord, dans le luxe, il y a bien les herbes, hein. Ouais. Pénurie de que dalle. Moins 60%, ah ouais la vache. En nourriture, pareil, est-ce qu'il faut en vrai? Allez, Foxy. Gratuit. Ah, bah tu vois. Et alors, t'es plus en pénurie de luxe. Foxy? Ah, ça baisse doucement. Ah. Bon, un nouveau récit peut-être entendu. Et merde, j'ai pas regardé. Bon, ils sont contents. Sur plus de B. Des nouveaux arrivants. Bienvenue à tous. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de vous voir vous masser ici pour travailler. Ah oui, il y avait ça aussi. Problème de citoyen là. Alors, bon, ici tu vas stocker des herbes. J'ai pas trop le choix. Et on va mettre le marché. J'avais pas foutu des bûcherons ou un truc comme ça. Il n'y a pas un campement de bûcherons dans le coin là. Vraiment, j'ai pas foutu un seul campement de bûcherons. J'étais mauvais à ce point. Bah merde. Bon, on dirait bien. Bon, bah on va rajouter un. Rajouter un campement de bûcherons. Ouais, il faudrait que je le foute là, mais bon, un peu chiant quoi. Un peu mieux du village. Tu me diras, l'église rayonne tellement que. Allez, va couper du bois, toi. On va mettre un campement de bûcheron ici. Je vais essayer d'ajouter. Mais là, j'y vois rien. J'y vois rien. Un étal de marché de luxe. Dans l'autre sens. Hop. Hop. Et du luxe ici. Coucou, les gars. Il y a du luxe là. Oui, l'homme faire un nouveau mandat. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. On va attendre un peu d'argent. On va attendre d'avoir un petit peu de pognon. Soyez les bienvenus. Je peux vous envoyer encore quelque part. Non. Ah si, probabilité très élevée. On va envoyer. Fête des baies. Avec autant de baies en stock, les aînés aimeraient que vous organisiez une foire commerciale consacrée aux savoureux petits fruits rouges. Et si vous pouvez faire en sorte que tout le monde passe un bon moment, il y aura des chances que la valeur commerciale de cette ressource s'améliore. Ah ouais? Augmenter le bonheur de votre village jusqu'à...
On lui a pris de négoce de 10% provenant d'un village avec une allégeance de tiers état. On lui a ça de 25% à la vente de baies. Bonus de bonheur de 25% pour les villageois ayant un profit de villageois. C'est bien, on va organiser une foire. Hein. Le temps pour accomplir nourriture est diminué de 50%. J'ai besoin. Il y a un petit problème de traduction. Bon, on va essayer tout ça. Pas vraiment d'infos sur qu'est-ce que c'est que ce truc. Hop là, les bûcherons, bienvenue. Faut juste que je garde un bon bonheur. Pénurie de nourriture sur plus de. Il y a vraiment un problème. Donc toi t'as faim, c'est ça, et t'es où toi? C'est le même marché, hein, c'est toujours le même marché qui déconne. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, bon, le poisson, je peux comprendre. Alors après le reste. Je veux augmenter le marché. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Oh, j'ai failli faire une bêtise. Étal de marché, on va. Ouais. Voilà, on va refoutre de la bouffe. Je sais pas si. On va faire un marché là. Un marché là. Oui, non, bah alors. Voilà. La bouffe, c'est ça. Je sais pas, j'en sais rien. On a de la viande là-dedans. Et du pain. Ah ouais, bah oui, du pain. Excellent matériau de construction, ouais. Parfait. Nourriture moins 10%. Oh la vache. C'est là, c'est tous ceux qui sont là qui posent problème. Nouvelle étape de marché, ok. Ressources assignées. Ici, objet visuel. Et là, des herbes. Voyons. J'en profite pour regarder un peu au niveau des autres matériaux. Okay. Oui, ah oui, là, ça a bien. Ok, et là on y est ou pas là? Oh, presque. Presque, allez, on va reboiser, on va reboiser. Mince. Hop. Ce petit coin de forêt là. Là, vendez-moi du pain. Et et de la viande. Est-ce qu'il faut en viande? Oh oui. Ah, j'ai beaucoup de sangliers de stock en stock. Je vais faire un deuxième boucher. Oui, on va voir, c'est ça. Non. Faut trouver le boucher, hein. C'est ça. Va faire un autre boucher ici. Parce qu'on a vraiment pas mal de viande. Hop. Là, on a toute notre partie de chasse. Zone de chasse. Je pourrais même l'agrandir là. On verra. Ok.
ça c'est bien ça. Les visiteurs ravis. Tu m'étonnes. Ça y est, là, ça commence à planter ce qu'il faut. Et je vais pouvoir supprimer le campement de bûcherons ici. Alors. Je vais le faire dans l'autre sens. Je vais construire un campement de bûcherons ici. Et je supprimerai l'autre. Ah oui, tiens, d'ailleurs. Regardez ce que je vois là. J'ai oublié, mais j'ai pas créé les cabanes de récolte. J'ai totalement zappé, c'est bien ça, ça va faire de l'emploi, ça va rapporter encore plus de baies. Si je le trouve, les cabanes de récolte à chaque fois. Oui, c'est bon. C'est... Ouais. Étal de marché construit, tout le monde y travaille, c'est parfait, ok. Là, niveau nourriture, vu que j'ai plusieurs types de nourriture, normalement c'est censé, censé être moins en rade, quoi. Et là, ça se passe comment? Là, c'est limite, limite, hein, pareil. Hein. Faire ça. C'est vraiment limite. Hein. Ouais, je comprends, au niveau pain, là, j'ai une consommation qui est assez importante, j'ai l'impression. Ouais, mais on avait le problème du moulin. Pareil, je vais faire un deuxième moulin. J'ai loupé un campement de bûcherons construit. Je l'ai mis, je sais même pas où. Ok, c'est là. Hop, et là, je vais. Non, c'était pas lui. Je vais démolir. Celui-là, là, je remets les trois. Hop. Voilà, et là, je remets les trois. Impeccable. Eux, ils me servent plus à grand-chose, hein. Là, bon, bah. Un autre campement de bûcherons quelque part. Ah, ça c'est bien ça. Une joyeuse fête. Et on refait un campement de bûcherons là sur le tas, là, sur le chemin. Genre par là. Hop, et là je détruis ce bâtiment. Boucherie construite. Il me faut des roturiers. Pour des roturiers, qui va être promu? Félicitations, vous deux. À ce moment-là de votre village, déverrouiller de nouveaux bâtiments. Oh. Ah bon? Ah oui. Ah oui, non mais c'est cher, oui. Taverne, payer les impôts. Voilà. Voilà, allez, belle chore. Faire un petit entrepôt pour tout ce qui est bois. Pareil, ça devrait m'aider. De toute façon, je suis pas un entrepôt prêt ici.
Oui, on va faire un tour des bâtiments. Hein. Bingo, j'ai les cueilleurs. Ça va, je me suis bien débrouillé. Avec ces nourritures, comment ça? Moi, je fais un déconne pas. Oh merde. En effet. Y a que de la baie, enfin, faut pas déconner. Attends, je produis pourtant du poisson, etc. Hein. Faut le transporter, certes, mais... Du poisson, j'en ai, hein. J'en produis pas assez, c'est ça? 50 sur 50? Non, mais faut... Faut arrêter la bêtise aussi, hein. Alors, je veux bien que le lieu de production il soit loin, mais... J'ai quand même fait exprès d'avoir des... Ah, j'avais pas un bûcheron, non. Ok. Le chemin du villageois est bloqué. Non. Ce n'est pas vrai. Bah après, si vous agrandissez votre maison et que vous faites de la merde, c'est pas mon problème, hein. Non mais sérieusement, enfin au bout d'un moment, quoi. C'est dingue, le poisson, il veut pas finir. Hein. Et c'est... Enfin... 50, 50... 37, 50... 29, 50. 50. Oh. Les cabanes à pêche sont pleines et mes entrepôts sont vides. C'est bizarre. Bon, attendez. J'ai vraiment essayé de... Je comprends pas. Je ne comprends pas. On est en réapprovisionnement en plus à balle. Je suis en pause. Ouais. Je suis en pause. Je suis en pause. Je suis en pause. Ah, s'ils font la pause toute la journée, tu m'étonnes que ça risque de pas trop avancer, hein. Il y en a un qui travaille là, je sais pas ce qu'il travaille, je sais pas ce qu'il fait comme travail, mais il travaille. Mais il travaille quoi? Donc lui il travaille que la baie, c'est ça? Et en pause. Et lui, il travaille quoi là? La viande. Non mais il vient de reprendre le travail. Il est déjà. Et là, il reprend. Mais c'est. Je comprends pas. Il s'occupe de la baie, hein, mais il s'occupe pas du reste. C'est terrible. C'est terrible. Ils veulent pas aller chercher le poisson quoi. Bon. Alors je vais tester un autre truc. Je vais faire déjà ça. C'est que sur le chemin. Je vais faire des greniers. Là je vais faire un grenier.
On va voir ce que ça va donner un peu plus tard. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Oh, c'est bien avancé ça. Très bien avancé même. Oui, construisez-moi ce foutu truc là. Sérieusement, enfin je veux dire c'est plein quoi. Je sais pas, je sais pas. Quand même des saloperies de glandeur. quoi? Non. Bon, au niveau du blé, ça va, ça a l'air d'être bien. Production de pain, elle est limite, limite, j'ai l'impression. Au niveau des farines. La farine est bien, donc la production de pain devrait augmenter, je suppose. Mais je vais pouvoir faire une ferme supplémentaire. Et c'est vrai que là, je voulais stocker des trucs genre du bois. J'ai pas de pierre hein, ici. Non, j'ai pas de production de pierre. Je vais stocker de la pierre quand même au cas où ça peut aider pour des travaux. Allez, faut construire là. Stockage plein, ouais, le fer est. Et complet, complet, chez complet. Qu'est-ce que tu viens chercher, toi? Pas d'accès à la nourriture, c'est moche. C'est moche. Tout ce que je vends, pas d'accès à la nourriture, c'est. C'est vraiment moche, hein. Par contre, il galère à construire un grenier là. Attends, la cabane de construction, elle est là en plus. Ah non, elle est pas là. Elle est où? Je l'ai foutu où la cabane de construction? Elle est là? C'est bon. Bon. Si là, j'y mets du poisson. Il a vraiment fait sa piote juste à côté lui. Hein. Mais du poisson, des baies. On verra pour le reste. Il travaille un peu loin, lui, non? 350 mètres. Je sais pas où est-ce qu'il travaille, mais. Pas la porte à côté, hein. Je suis en pause. Oui, mais les transporteurs, ils. Oh, putain. Il est où? Attends, il est en travail là? Mais il fait quoi comme travail? Ah, il va chercher au monastère. Tous les coups, c'est ça. Waouh! C'est très éclairé là. Pas de fermier, j'ai personne, je peux rien. Ah purée, c'est parce qu'ils vont chercher les bêtes tout là-bas. Ah ça c'est chiant. Ah ça c'est chiant. Si toute ma prod elle est cassée à cause de ça, c'est moche.
Accumuler du minerai de fer. Comment ça, j'en ai que ça. Attends. Ça compte pas comme minerai de fer, hein. On va doubler la production, le stockage du minerai de fer. Hein. Je suis en pause, je suis en pause, c'est ça. Ah, il y en a un qui travaille. 1 sur 4, c'est comme à la SNCF. Parfait. Hop là, voilà, on a livré le truc. On va pouvoir améliorer un peu les... Ça me sert pas, mais tant qu'à faire. Hop là. En pierre. En deux pierres. En pierre. C'est ça qui peut être sympa. Ouais. Fonderie d'or. M'en faudrait un peu. La son de bougie, des mains extension. L'argile, ça rebaisse, hein, c'est fou quand même. Ok, prod de baie, prod de poisson, tout ça s'améliorait. Bah, vu que j'ai arrêté la production de B, ça devrait partir, non? Je vais faire herbe. Qui vient pour qu'ils aillent le chercher au niveau de. À ce niveau-là. Par contre, les herboristes. Ah, c'est un peu chiant ça, j'ai pas pensé à ça quoi. Mon Aster exprès assez loin et en fait ça me casse le truc. C'est pas de peau. Là, au niveau des baies ça suit même pas. Après tu me diras, j'ai l'air d'avoir une production qui est une consommation, je veux dire, qui est quand même assez importante. Je sais pas ce que je dois faire avec le monastère là. Quand je vois des mecs là qui font un aller-retour. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Pas d'accès à la nourriture. Là, je suis même pas réapprovisionné, je sais pas pourquoi. Le pain, il n'y en a jamais qui y est arrivé. Ouais, du marbre, ok. Alors que pourtant je suis en réappro, quoi, je sais pas. Il y a des trucs, doit y avoir des trucs que j'ai pas, des informations que j'ai pas sur les. Une distance peut-être, j'en sais rien. Ouais, là je sais pas du tout, je saurais pas vous dire. Que mon village est trop étendu. C'est la seule hypothèse qui me paraît plausible. Même là. Du blé, mais je sais pas ce que font les transporteurs.
C'est un sacré mystère. Oh la vache, ils vont chercher loin le poisson. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je veux voir s'ils achètent la baie directement au premier. Effectivement, évidemment, là, les deux marchands qui arrivent, ils achètent pas de baie. Elle va loin. Ok. Elle est partie acheter des trucs là, ouais. Donc des baies, je suppose. Enfin, des herbes, des trucs. Ah si, des baies. Alors, toi. Ok, tu peux acheter des baies, ça c'est une bonne chose. Ah, bah, je vais juste voir un truc là au niveau de la production. Ça reste raisonnable à prendre, heureusement. Voyons voir donc. Ah oui, mais il n'y a plus de baies. Oh, mais non, terrible. Et du poisson? Eh ben oui, il voit pas de billes, il s'arrête pas. Il y a pas mal d'aller-retour sur les. Sur les. Attends, il en prend 10 par 10. Ah mais il est niveau 1, faut. Ouais, d'accord. Faut aussi, je pense, leur laisser le temps de pouvoir transporter plus à la fois. Oui, ils sont niveau 5, hein. Niveau 5, et c'est juste qu'elle est H24 en pause, quoi. Ah, c'est bien, t'as fait un aller-retour. Oh, putain. Un aller-retour, une pause. Allez, on va essayer de voir un truc. Que vas-tu chercher? Dis-moi que tu vas chercher du poisson. Oh, je peux avoir 11 de poisson. 11. 11 poissons. Oh là là. Ok, lui il peut en prendre 50. Alors, t'es quel niveau toi pour transporteur niveau 1? T'en as pris 50 et l'autre il en avait pris que 10? Y a un truc, je sais pas. Sur plus de blé. Sur plus de B, pardon. Ouais, on va voir, il est pas fini lui. Dommage, dommage, dommage. Là c'est en stock du poisson, voilà, là ça aide à vachement bien stocker le poisson. Pourquoi faut un endroit de stockage à côté du lieu de prod? Parce que oui, il a effectivement pour les baies. Non mais 50-50, non mais. Ils sont pleins là, il n'y a personne.
Il est parti chercher de la baie. Bon, alors, moi en paix, on est plein. Ok, c'était aussi pour ça. Au niveau du poisson. Ok, il en ramène. Oui, en partant à chercher pour en vendre. Ok. Bon, ça devrait s'équilibrer petit à petit là. Par contre, le pain. Le pain, il n'y en a pas. Hein. Le pain, c'est niet. Ah, oui, non, mais d'accord, ouais. C'est complet à la boulangerie. Il n'y a plus de place pour le pain. J'ai du mal à comprendre. Ouais, personne va aller acheter du pain. Ou... Il y en a zéro ici. Il y en a zéro. Vous êtes en train de crier parce que vous n'avez pas de pain là et vous n'allez pas en chercher. Je comprends pas. Non. Il y en a plein du pain à la boulangerie. C'est distribution locale, c'est ça? N'essaie pas. N'essaie pas du tout. Bon, je vais essayer. Ok, je vais essayer de refaire un grenier là. Ça me saoule, mais bon. Un grenier. On va faire une autre boulangerie. Et on verra ce que ça donne dans le prochain épisode. Voilà, bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Compliqué, hein, on sait pas trop pourquoi, mais la gestion de la nourriture ne veut pas trop bien se faire. Je vais essayer de me renseigner, je vais voir à quoi ça pourrait être dû. En attendant, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Et à la prochaine, c'était Tiob. Ciao.